Bon ben voilà, après m'être restauré à l'aire de pique-nique là, avoir repris des forces, je repars en arrière sur le chemin, enfin la route là qui fait un peu tous les circuits, dont le circuit 15 que j'avais fait la dernière fois. Et là je vais m'engager sur les autres circuits, le circuit 14, enfin c'est mon circuit, le 14. Et ça me prend d'autres circuits, donc je vais prendre ici là. Je pense que ça va rattraper. Je présume. Voilà. Ok. En fait, j'aurais dû arriver de la gauche, enfin de la droite ici, si j'avais pas été à l'aire de pique-nique. Puis prendre ici, quoi. Voilà, mais c'est reparti. Bon, là, c'est en grimpette. J'ai le soleil, il y a le soleil. Moi j'ai tombé le coupe-vent, je l'ai remis dans le sac. Parce que là, il va faire chaud. Je présume. Comme ça grimpe en plus. Ok. Oh ben c'est le chemin, ouais. Ça y a une bagnole qui est montée par là. Eh ben. Bon, il y a plein de sentiers, un peu partout. Bon, ok, je vais couper là. On verra plus loin. Bon, eh bien, fausse piste, je suis redescendu au niveau de la route là et c'est en fait où je me suis engagé, ben, c'est-à-dire ce chemin là, il va pas du tout et en fait il repart où j'étais presque où je suis arrivé de l'allée là. Donc en fait, c'est pas là qu'il faut que. C'est pas ce chemin qu'il faut que je prenne, c'est ce petit sentier qu'il y a ici là. Là voilà, donc je le laisse là, je m'engage sur celui-ci là, voilà. Eh bien, oui, enfin, je l'avais vu ce truc, mais je me suis dit, oh, pas ça. Bah si, c'est ça. Heureusement que je m'en suis rendu compte, enfin, je m'en suis rendu compte assez... Mais qu'il aurait été plus loin quand même, je me dis, mais putain, mais elle va où cette piste là? Alors c'est ici là, c'est celui-là là, qu'il faut que je prenne. Voilà, ce sentier. Ok. Qui est commun à plusieurs autres sentiers de VTT. Il y a une sacrée ornière au milieu là. Ça, je reste sur le côté, moi. Ah, il y a des ronces ici là. Oh, il y a des orties aussi. Heureusement, j'ai les chaussettes longues et j'ai gardé mes protections. Bon, je suis en mode normal parce que ça grimpe pas mal. Ok. Ouais, c'est ombragé. Ça va, là maintenant il fait chaud. Du soleil. Quelques nanas aussi. Bon, ouais. Ok.
Allez. C'est encore un peu boueux, hein. Voilà, là on est sur un single. Là, sur le single. Oh putain, là il y avait de la boue. Le passage avait de la boue et puis il y avait une broche. Le passage. Je fasse gaffe, il y a des portions boueuses là. Hein. Alors moi j'ai mes lunettes toujours. Là, je suis parti à l'ombre, pas grand chose. Ah, ok, une barrière. Ok, on va ouvrir la barrière et la refermer derrière soi. Ouais, et alors hein. Oh, mais toi, eh ben voilà. Encore le système espagnol. Oh, elle va où là? Encore le système espagnol là. Ah ouais, on a toujours des champignons là, il doit y avoir des cèpes ici. Voilà, à cotado de productos naturales, ducto naturales de la rutia. Ouais, on va dire, hein. En fait, ça doit être des. Ouais, protection des espèces sauvages, des naturelles quoi. Champignons, c'est naturel. Donc, il est protégé. Eh ouais, bah c'est une forêt d'Iratie, moi je me souvenais quand j'étais gamin. Putain, c'était champignon, les cèpes là-bas. Ah ouais, mais non. Je sais pas si c'est pas un peu. Ils ont pas mis l'eau là. Hein. Mais là, c'est bien boueux là. Ils ont pas restreint. Interdit la cueillette de champignons. Ah ben voilà. Yeah. Ok, là ça me parle, c'est bien ça. Ouais, ça glisse, hein. Putain, j'ai les pneus. Bon, j'ai enlevé un peu nettoyé le vélo, mais quand même pendant ma pause là, mais bon, enlevé le plus gros. Alors, il va en remettre encore, hein, de la boue. Là, zizou, zizou. Là, ça patine. Là. Oh oh, aïe. Je vire une révolte. Je le vois, je navigue. Oh, aïe. Oh, mais je vais pas rester planté quand même. Hein. Oh. Ah, c'est joli là. Je sais pas si on verra la caméra. Ouais, j'ai la noisetier. Allez, là ça descend. Fais gaffe quand même parce que j'y vois pas trop bien là. Avec mes lunettes. Faites les jeux. Allez, négocier le virage, on relance. Ouais, là, il y a de la boue. Contourne. Ah, c'est bien ombragé, hein. Voilà, il y a une portion boueuse. Ouais. Je vais choisir le chemin là ou le moins encombré. Ah là c'est joli là. Regardez. Ah voilà. Et là c'est dégagé. Voilà. C'est pas beau là? Ouais, vous le détour de s'arrêter. Ouais, c'est encombré là-bas, hein, d'où je viens là-bas. Encore. Hein. Ok. Yeah man. Ouais, c'est là où j'étais arrivé moi, hein, par la route là. Et puis après, j'avais enquillé là-dedans. Hein. La piste là-bas. Hein. Là-haut. Bon, enfin.
Enfin, pas aujourd'hui, l'autre jour, là, la dernière fois. Circuit 15. Allez, go! Oh putain! Là, il faut que je fasse gaffe parce que mon circuit 14, après, il est tout seul. Hein. Enfin, là, c'était plusieurs circuits, là. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun panneau. Hein. Pour les VTT, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et donc, je vais voir ici, à la... quand je rattrape la route. Hein. Normalement, il faut que je laisse les autres circuits sur la droite et que moi, je m'engage sur la gauche. Je ne sais pas si c'est là ou plus loin. Je ne vais pas m'arrêter là où il y a du monde. Hein. Arrête un peu plus loin. Ah, là-bas, je vois une piste. Alors, si ça se trouve, c'est cette piste que je vais prendre. Là, c'est un plein mort, là. Hein. Ouais. En face, il y a le mauvais temps, là. Allez, je vais m'arrêter à l'intersection là et consulter mon smartphone. Hein. Pas faire une connerie, pas faire des détours, des tours de cours là. Ok. Voilà. S'arrêter là. Ah, que c'est joli. Que c'est joli. Bon, ben moi, je sais pas si j'ai les yeux en face des trous, parce que je me suis arrêté. Juste en dessous, là, il y a le panneau, là, les trois panneaux, là. En fait, le circuit 13, il part là-bas. Le 14, il descend, là. Enfin, et le 12 aussi, quoi. Voilà, quoi. Il suffit de savoir lire les panneaux, hein. Espèce de bite. Allez, c'est reparti. Donc, c'est la descente. Et je pense que je vais choper cette piste, là-bas. Qui monte. Enfin, je présume. Allez, je vais couper, on verra plus bas.